Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un petit logiciel qui s'appelle Advanced System Care 7. Donc c'est un logiciel pour booster son PC, pour tout améliorer. Donc on va aller sur Internet. Alors sur Internet, il y aura ça. Alors, vous allez marquer sur Internet Advanced System Care 7 et vous allez prendre donc Advanced, le premier lien, donc ça a été publié par et édité par Yobit. Donc après, ça va vous mener sur ce site. Et bien évidemment, ben vous allez cliquer sur télécharger. Donc là, on est sur le site aussi officiel, il n'y a pas de virus. Donc vous allez cliquer sur télécharger. Donc une fois que vous l'avez, donc vous le mettez sur votre ordinateur, vous l'installez. Après, une fois que vous l'avez installé, donc vous cliquez sur votre application. Et là, je vais vous présenter les modes. Donc, il y a plusieurs modes. Il y a un mode entretien, donc c'est une sorte d'antivirus, enfin pour améliorer ton PC, quoi. Donc, moi, j'ai tout sélectionné à chaque fois, c'est très bien. Donc moi, quand j'avais l'application, là, en fait, le smiley là, il va te dire comment est ton PC. Donc là, mon PC est en bon état. Mais moi, quand je l'ai eu, toi, il était en état orange. Donc, je fais tout de suite tout sélectionner un balayage. Et à la fin du balayage, j'ai bien senti la différence. Donc, après, donc il y a plein de... Dans la boîte à outils, par exemple, pour l'optimiser, donc dans la catégorie optimiser, tout en bas, il y a accélérateur de jeu. Et par exemple, si je joue à un jeu et c'est moi qui est un peu lent, je vais ouvrir l'application et je vais cliquer sur accélérateur de jeu. Et après, ben, ça va m'accélérer mon jeu. Donc, il y a plein de choses comme ça sur cette application. Donc, après, quand vous allez arriver, vous allez cliquer sur accélérateur. Pour le configurer, vous appuyez sur configurer. Alors, il y a trois modes. Il y a un mode travail. Donc, voilà. Un mode de jeu. Et un mode économie, mais un mode économie pour les PC fixes ne servent à rien. Donc, mode de jeu et mode travail, c'est déjà bien. Moi, je suis tout le temps en mode travail. Et donc, je fais suivant. Donc, vous désactivez les services système non nécessaires. Donc, voilà. Après, il y a désactiver les services non Windows comme tous les jeux, enfin, tout ce que vous avez déjà sur Internet qui n'était pas fourni avec l'ordinateur au début. On fait suivant, donc ça c'est désactiver les applications en arrière-plan non nécessaires, donc tout ce qui ne sert à rien en fait. Donc après, voulez-vous activer le mode d'énergie avancé, voilà. Alors ça sert à prendre moins de batterie sur l'ordinateur, mais moi je dis que ça sert à rien, donc ça fait même dégraisser l'ordinateur, donc moi je fais non, garder le mode actuel. Je fais après suivant. Après moi, je fais activer accélération au démarrage de Windows. Donc dès que j'allume mon ordinateur, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout simplement, l'accélérateur va s'allumer. Moi, je fais appliquer accélération et voilà, le mode travail est en marche. Voilà. Et quand j'ai fait le mode d'accélérateur, franchement, j'ai bien vu la différence. Quoi. Donc, après, le centre d'action. Ça, c'est dès qu'il va détecter un truc, ben vous balayez quoi. Et ben voilà, donc voilà. Bon, merci. Ben merci d'avoir suivi ma vidéo. Ben, abonnez-vous, mettez des j'aime. Bon voilà, merci.